couler les canalisations dans la plupart des copropriétés, avant d'être impactées par un problème, estiment que ça marche bien et n'entretiennent que très peu. Sauf si dans la copropriété, vous avez quelqu'un qui est sensibilisé à ce métier de la canalisation et de l'écoulement. Il est bon, je pense, de faire tous les 10 ans quand même un curage, un hydrocurage. Plus la canalisation ou la colonne est vieillissante, c'est-à-dire que si vraiment vous êtes dans la période des Trente Glorieuses, il faut même plutôt sensibiliser la personne qui va faire l'hydrocurage à ne pas mettre trop de pression, puisqu'elle peut créer un dégât des eaux. Et si vraiment vous n'avez aucun historique là-dessus, une petite inspection serait pas mal, parce que rien qu'un petit passage caméra, vous n'engendrez pas trop de frais à votre copropriété, mais à la fois vous savez anticiper derrière et vous savez à quoi vous en tenir sur les problèmes futurs. En plus, tous les 10 ans, un petit curage, et si vous n'avez vraiment rien, refaire une inspection par l'intérieur. Et il faudrait sensibiliser aussi les auditeurs qui font l'ensemble du bâtiment à ne pas négliger cette partie qui peut dégrader tout ce qui a été refait dans un appartement, dans une partie commune, un mois après une fin de travaux, une réception. Est-ce qu'il y a des cas où finalement les travaux destructifs sont nécessaires ? Alors, les travaux destructifs sont nécessaires, donc nous, en pied de colonne, c'est ce que je préconise, puisque s'il n'est pas fait, il est bon de le faire, puisque, en fait, comme il a pas mal de coups, on va pas pouvoir forcément le réhabiliter, donc on change cette partie visible dans le pied de colonne, et justement, de la partie réhabilité qui est neuve de l'intérieur à cette partie qui est du coup neuve en pied de colonne, vous avez l'intégralité qui est faite. Le côté destructif aussi, et à partir du moment où il y a un gros dégât des eaux, qu'il n'y a plus de structure de colonne. Voilà. On peut applaudir Fabien qui est ouvert pour l'IDR.